Santay Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Hugo. Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 121e Santé Night Club. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde a bien, a bien attaqué sa semaine, a passé un bon week-end. Euh, dernière émission de l'année ce soir avant, avant les vacances et les fêtes, dernière de 2023. Euh, et je crois qu'honnêtement, euh, c'est pas plus mal parce que depuis plusieurs matchs déjà, euh, les joueurs euh, se sentent bien en vacances, eux. Euh, donc bon, ça nous fera aussi du bien euh, de ne pas voir cette équipe durant deux semaines. Euh, et je pense que ça fera du bien également euh, aux joueurs, tout comme euh, au nouveau coach euh, d'Aloglio, qui aura sans doute fort à faire avec la, la direction et tout le staff pendant le mercato pour peut-être euh, peut nous trouver la solution magique pour 2024. Euh, en tout cas, on, on est là, on est là pour, pour parler de tout ça. Euh, et pour cette dernière de 2023, donc, on a deux super chroniqueurs pour m'accompagner. Euh, on a d'abord Antoine, salut Antoine, comment ça va Salut, salut, ça va super et toi. Bah, ça va, merci bien. Euh, et, et en super sub, super sub de la soirée qui est remplaçant en dernière minute, on, on a Hervé, salut Hervé, comment tu vas Salut Hugo, salut Antoine, salut Gab, salut à tout le monde. Bah, écoute, ça va. Euh sortie du banc euh, dernière minute donc on va essayer d'être à la hauteur. Voilà. J'en doute pas, j'en doute pas. Et au chat euh, on, on a Gabriel. Salut Gabriel, comment tu vas? Bon, ça va très bien, début des vacances euh, donc tout va bien. Là Pour la dernière de l'année. Parfait, parfait. Euh, et bah tout le monde est prêt donc euh, donc sans plus tarder on, on peut passer tout de suite euh, tout de suite au débrief. Active sainte Night Club, le débrief Alors euh, j'évoquais en, en, dans l'introduction une solution magique, euh, mais là pour le moment il n'y a pas eu de miracle à Bordeaux, euh, quoique au vu du match on peut sans doute s'estimer heureux d'avoir réussi à obtenir un point su, sur ce match nul, euh, qui, permet même, euh, qui permet quand même au moins de briser la, la série de défaites et de se rassurer, euh, de se rassurer comme on peut, euh, avec la première de, de Dalloglio notamment. Euh, les Verts n'ont pas vraiment existé offensivement. Euh, la défense a, a cédé à enfin, a, pardon, a plié à, à, à plusieurs reprises et justement n'a pas cédé avec encore une fois un, un grand larceneur pour son retour de blessure depuis quelques matchs euh, De quoi quand même stopper l'hémorragie donc en attendant le, le prochain match contre Bastia dès demain. Euh, Antoine, je vais commencer par par toi. T'en as pensé quoi toi globalement de ce, de ce match c'est difficile d'être emballé par, par, la prestation, par la prestation parce que autant sur la première période on a eu quelques, quelques bonnes initiatives côté Stéphano autant la deuxième période ça a vraiment été un, un match qu'on a joué dans, le, dans notre camp on a subi pendant les 45 enfin pendant la deuxième période on a fait que subir euh, ça a été compliqué, très compliqué. On n'arrivait pas à ressortir le ballon. Mais voilà, on savait qu'avec le, le nouveau coach qui venait d'arriver, euh, l'important, ce n'était pas forcément de voir tout de suite un super jeu déployé. Ce n'était pas forcément d'être euh, très présent offensivement. Il fallait se rassurer. Il fallait mettre fin à cette euh, série négative de, 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 de défaites. Euh, ça a été fait. On n'a pas pris de but. Ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé. Euh, en espérant que, que cette, ce match nul-là puisse permettre… Euh, au groupe de, 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 de se souder à nouveau de prendre un nouveau départ euh, c'est c'était pas génial hein. il y a eu beaucoup de beaucoup d'erreurs de que ce soit en attaque en défense au milieu euh, c'était très très imprécis il y a une prestation globale très 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 moyenne mais voilà on va s'en contenter ça faisait plusieurs matchs qu'il fallait enfin, c'était l'important c'était de briser cette spirale négative pour repartir de l'avant euh, ça a été fait en espérant que ça augure de bonnes bonne choses pour la suite oui, c'est sa prestation, euh, pas, pas de, de grande envergure, mais au moins euh, ça, on a le mérite d'accrocher le point du nul. Euh, Hervé, t'en penses quoi Toi, t'es d'accord avec tout ce qu'a dit Antoine Oui, euh, le, le, le principal point positif, c'est d'avoir brisé cette, cette grosse série de défaites, de ne pas avoir pris de but. Euh, ça aussi, effectivement, ça faisait trop longtemps que, que ça n'était pas arrivé. Donc les principaux enseignements on va dire, positifs, ils sont là. Après, j'ai envie de dire que le, le chantier qui attend le nouveau coach, ou qui euh, ça aurait été le même chantier qui, qui restait à Batles à mettre en place, on voit qu'on a des joueurs qui sont, euh, qui sont très moyens, qui euh, n'arrivent pas à jouer euh, plus d'une mi-temps, si tant est qu'on qu puisse dire qu'ils aient joué au moins une mi-temps euh, mi samedi, mais il y avait un petit peu plus de consistance, un petit peu plus de, de lignes resserrées, l'impression d'un bloc équipe sur la première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ça s'est complètement, euh, complètement disloqué. On a, on a beaucoup souffert. Il a fallu, euh, en premier lieu, je dirais, euh, la maladresse des attaquants bordelais, qui, s'ils si ont un petit peu de réussite, euh, ils peuvent nous en coller cinq ou six euh, sans aucun problème. En deuxième, bien évidemment, l'arçonneur qui, qui a sauvé les meubles plus d'une fois, qui a été très rassurant dans le, le domaine aérien notamment. Et puis, je n'oublie pas qu'il y a eu deux retours dans la surface, un de Batoubine Sika et un autre de Chambaud. Il là aussi aurait pu faire deux buts, donc euh, tout cumulé. Euh, si les planètes s'étaient euh, mieux alignées pour les Bordelais et moins bien pour nous, c'est un match où on pouvait repartir avec une très 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 grosse euh, valise. Et justement, tu l'as dit, hein, deux gros matchs, notamment de l'Arsonner et Batu Bitsinka qui ont eu la note de 7 par vous, cher supporter. Euh, avant de passer au chat, euh, bon, il n'y a pas eu de grand changement dans, dans le jeu avec ce, ce premier match sous les ordres de Dauglio. Euh, c'est encore bien trop tôt pour qu'on puisse ressentir sa patte et c'est tout à fait normal. Hein. Euh, mais comme j'ai dit plusieurs fois, malgré ce match de faible niveau, pas une grande prestation, on parvient à, à gratter ce point. Euh, Messieurs, euh, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Daoglio euh, a créé une sorte de petit choc quand même chez les joueurs euh, Est-ce que vous pensez par exemple qu'avec bah, qu Batles, en fait, euh, sur le banc des verts, ce match aurait été perdu euh, Hervé, j'ai commencé par toi. Tu as un avis su, sur la question bah, Honnêtement, moi j'étais au dernier match de Batles euh, face à Guingamp il euh, y, a, y a deux semaines. Et euh, de, de l'impression, euh, vu du stade, c'était. Euh, la fameuse phrase, même si j'y crois à moitié, mais que les, les joueurs lâchent le coach. Honnêtement, ils auraient voulu le lâcher. Je ne vois pas quel genre d'autre match ils auraient fait face à Guingamp. Tant dans l'envie, dans l'implication, c'était le néant. Quoi. Donc, est-ce que le message ne passait plus Est-ce qu'il y avait déjà une espèce de, de forme de lassitude par rapport au management, par rapport à, à, à l'idée directrice que voulait donner Batles à son groupe J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que face à Guingamp, on avait touché le néant en termes terme d'envie et d'implication. Et il fallait, de toute façon, créer quelque chose que batles au final, n'aura jamais réussi à vraiment créer, si ce n'est les trois, quatre derniers mois l'an passé. Donc, oui, moi, je veux croire que ce match-là, ce match-là, oui, on aurait fait peut-être même le dos rond encore plus tôt dans le match. Euh, on aurait peut-être été encore plus euh, inexistant Donc, euh, bon, en plus, maintenant, c'est fait, c'est acté. On a le nouveau coach qui est là. Donc, euh, ouais allez, j'aime à penser qu'effectivement, avec batles et avec la... L'espèce le, le, de, de torpeur qu'il y avait dans le groupe avec lui sur les derniers matchs, on aurait peut-être pris la, la fameuse valise dont je parlais juste avant. Alors Antoine, tu es d'accord Toi, tu penses que quand même la, la, le changement de coach, l'arrêt réaide ça fait un, un petit déclic euh, chez certains joueurs Je, je l'espère. Euh, C'est difficile, difficile à dire parce qu'on ouais. ne peut pas dire qu'on a été rassuré par, par cette prestation à Bordeaux. Euh, contre Guingamp, comme Hervé l'a dit, c'était vraiment le néant. Il euh, y, a, y a de grandes chances que. Que le groupe l'ait abandonné. En début de saison, le, le, le groupe avait eu un peu cette opportunité-là. Avant le match contre Caen, le, le discours de Loïc Perrin en interne, c'était. Vous perdez le match à Caen et ça signe la, la fin de l'histoire avec En Batles. Finalement, le match avait été gagné. Il y avait une grosse série qui s'en était, était suivie. Là, c'était un petit peu la même chose. On savait très bien que si, euh, si, le, si, le, si, les, si les Verts perdaient face à Caen, ça sentait la fin pour Batles. Il n'y a pas eu de réaction d'orgueil. On a eu un, un, match, un match catastrophique. Donc voilà, là, le, le, le groupe a un petit peu lâché son coach, a décidé de, de tourner la page. Euh, Dalloglio est arrivé un petit peu tard. Il n'a pas eu le temps, vraiment, je pense, de, de mettre ce qu'il veut, qu veut mettre en place. Il a, tenté il a tenté quelque chose en relançant mon conduit dans l'axe, en inversant la charnière, en son son Batomincika pour faire faire des changements à la relance. Mais voilà, ça reste ça reste des tout petits changements, c'est minime hein. ce qu'il a fait, c'est des micro réglages. Euh, je pense que mon les conduit, on le peut-être les, les faux pieds pardon ouais. également, ouais, les faux pieds également entre Chambaud et Cafaro qu'il a inversé. Euh, <laughs> euh, voilà, il a tenté oui, quelques oui. petits trucs comme ça, mais euh... Oui, pas de changement majeur des, en tout cas. Ça, ouais. Mais pour autant, ça reste, ça reste, ça reste mini pour le, moment. Et pour le moment. Il va avoir du temps pour travailler pendant ses euh, pendant pendant ces fêtes. Il va pouvoir un petit peu prendre la température auprès de son groupe, peut-être avoir certaines recrues. Il y a déjà des petits bruits qui... Qui commence à courir, mais le, le travail il est conséquent parce que ce groupe il a vraiment perdu confiance, il avait vraiment touché le fond euh, face à Guingamp. Il a prouvé qu'il était capable de faire le Doron avec une grosse dose de réussite hein, contre, contre, contre Bordeaux. Voilà, il va essayer de s'appuyer là-dessus. De, pourquoi pas marquer des buts face à Bastia. Il va falloir euh, voilà, faire faire tomber les filets, relancer la machine et, euh, et, et histoire de, de passer les fêtes avec avec un état d'esprit positif. Oui, justement, euh, il aura sans doute pas mal de temps pendant la trêve pour, pour ajuster un peu mieux et réfléchir à comment il euh, voit les choses pour 2024. On y reviendra plus tard. Et en attendant, euh, Gabriel, au chat, je vois que ça commence à arriver euh, et, euh, et à parler surtout dans le chat. Euh, Qu'en pensent les auditeurs du coup de l'appréciation des verts et de la première euh, sous les ordres de d'Aloglio euh, bah, Par rapport au petit sondage que j'ai mis, euh, ça retenait surtout que Gauthier Sonore a été énorme, encore une fois. Euh, sinon, par rapport à la première de Daloglio, il y a El Cato qui, qui trouve que c'est toujours un gros gros chantier, qu'il n'y a pas de progression depuis le début de saison. Paul Marinet qui nous trouve physiquement à la rue comme d'habitude. Jo 42, ce match était très mauvais à l'image des autres. Il y a aussi ceux qui, bah comme Jo toujours, qui trouvent que le, le nouveau coach ne changera rien. C'est toujours le joueur, les joueurs qui sont le problème. Donc il euh, faudrait changer déjà les joueurs avant de changer le coach. Euh, Dauphinomaniac qui... Qui trouve que le point est dû à la chance et non à la prestation des joueurs, donc un peu ce qu'on disait. Et sinon, sur les... un peu plus personnellement, il y a toujours Mon Conduit, Cafaro et Chambaud, qui en prennent pour leur grade, comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Et El Cato qui sort quand même les deux tauliers, comme on disait, et ça se voit par les notes, puisqu'ils ont reçu 7 sur 10, l'arseneur et Batubin Sika. Mmh, tout à fait, ouais, ouais. Les, les deux hommes du match, donc pour vous, chers auditeurs. Euh, du coup, Antoine, je vais revenir un peu sur ce que tu disais. Euh... Il euh, n'y a pas eu de changement majeur dans le 11, quelques petites modifications on le disait, mais très 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 légères, très très subtiles. Euh, les habitués, euh, joueurs expérimentés étaient présents sur la feuille de match, euh, compo classique, euh, rien à s'y aller de particulier. Euh, si ce n'est Blady qui était présent dans le groupe, euh, qui a fait sa première entrée en Ligue 2, il avait seulement joué en, en Coupe de France. Euh, Peut-être un joueur sur lequel dialogue au contrat en 2024 au poste de latéral. Euh, Antoine, pour toi, c'est un premier 11 logique, du coup on reste sur les buzz du début de saison pour tester les cadres et pas tout chambouler, et on verra peut-être à la reprise comment Del Guillo voit les choses, et peut-être avec les premiers changements en fonction, en fonction du mercato. Oui, je pense ça aurait été un petit peu risqué de vouloir, de vouloir tout bousculer après, après avoir été là pendant seulement 3-4 jours au contact du groupe. Euh, là, il a, il a, voilà, il a, il a voulu euh, tenter un ou deux, deux petits ajustements. Ça, je pense que c'est ce qu'il ce qu ressentait. C'est des, des, des choses qu'il qu voulait mettre en place, qu'il voulait un petit peu changer par rapport à ce qu'a fait Battles Mais il ne fallait pas s'attendre à des grands changements. Euh, on l'a vu aussi, mon conduit il est vite sorti en seconde période parce que, d'une, il n'a il a pas la caisse pour, pour tenir 90 minutes. Et de deux, ça ne fonctionnait pas très bien. On avait besoin de, de plus d'impact de, de plus dans jeu on avait besoin d'un peu plus de, de vitesse. Ce que la mine bas n'a pas forcément apporté. Mais, euh, mais voilà, c'est difficile de tirer des conclusions après, après un match où on a, on a beaucoup subi, où euh, ça s'est joué à des, à des petits détails de, pour du match nul, parce que à, à peu de choses près, on serait déjà en train de, de remettre en question les choix de l'Olivier <laughs> ou alors de remettre en question le niveau global de cette équipe. Euh, ce qu'on a pu voir c'est que les deux hommes qui euh, les deux hommes forts de ce groupe c'était Batumitsika et Larsonner euh, quand ils avaient été absents il y, a, il y a un mois et demi deux mois euh, c'est comme ça qu'on avait commencé la série négative c'est avec leurs absences conjuguées. Euh, y a, y a, samedi ils étaient présents ils ont fait un grand un grand grand match et c'est sûr que c'est grâce à ces deux joueurs-là euh, qu'on va pouvoir euh, relever la tête. Hein, parce qu'avec des performances de ce niveau-là, ça ne peut que aller mieux. Pour le reste du groupe, il faut que tout le monde se mette au niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au niveau. Euh, certains qui n'ont pas été au niveau techniquement, d'autres qui n'ont pas été au niveau dans, dans l'engagement. C'est un tout. Euh, il y a beaucoup de travail encore de la part. Euh, il y a beaucoup de travail à faire pour Daloglio. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que tu l'as dit, si les, si les deux cadres, les deux tauliers, euh, Batubic et sont au niveau, c'est quand même beaucoup plus rassurant derrière, parce que c'est ce qui a fait défaut un peu au vert lorsque, lorsque les deux étaient blessés. Donc si à un bon niveau, c'est vraiment intéressant. Toi de ton côté Hervé, tu es d'accord euh, C'est assez logique de voir ce compo avec les expérimentés, on verra plus tard euh, si changement il y a. Bah, on va voir plus tard, après sur la ligne défensive... Euh... De toute façon, à part faire monter les jeunes et réaligner la défense ou presque qui avait été alignée sur la Coupe de France, on voit qu'on a, on a personne. On en a Nadé qui euh, euh, est un postulant entre guillemets, mais on sait très bien que maintenant c'est un joueur d'appoint et que ce n'est même pas un joueur qui va amener de la concurrence dans le groupe. Ça, je pense que ce que soit les joueurs eux-mêmes, euh, les supporters et le coach, assez rapidement, tout le monde est d'accord là-dessus. Derrière, bon, il y a Blady, ce n'est pas le jeune moi qui m'avait le plus... Euh, agréablement surpris sur la Coupe de France, mais bon, Dalloglio, euh, a priori, l'apprécie puisqu'il l'a reconvoqué pour le, le groupe dans le match de demain. Donc voilà, mais défensivement, qu'est-ce que vous voulez qu'on change On n'a pas de latéraux. Euh, Nadé, je viens d'en parler pour tourner éventuellement avec la, la charnière centrale. Mais déjà sur cette ligne-là, on n'a aucun changement euh, euh, possible. Ou alors, c'est des paris avec des jeunes, mais les envoyer sur un match à Bordeaux, 37 000 personnes dans le stade, contexte difficile c'est vraiment les envoyer au casse-pipe pour rien. Donc, il faudrait avoir une petite série positive, arrêter de, de perdre les matchs, pas prendre trop de buts pour éventuellement, à la marge, faire rentrer un latéral ou peut-être deux pour pouvoir faire souffler, etc. Au milieu de terrain, c'est là où on a le, le plus en, en quantité. Bon, mais voilà, mon conduit qui est ressorti du placard, moi, pour ma part, j'ai assez vite compris pourquoi il y était rentré dans le placard. Euh, Fomba qui fait une rentrée... Euh, voilà... Complètement insipide. Euh, L'Aubry, bah, toujours pareil. Euh, lui, au moins dans l'envie, bon, on sent qu'il a envie, mais, mais c'est devenu très compliqué pour lui. Donc C'est là où on voit que la construction de l'effectif, de toute façon, n'avait pas été très très bien pensée, on n'a pas de, de, de solution de rechange. Il n'y a pas un joueur sur le banc par ligne qui pourrait dire euh, Tiens, lui, pourrait être titulaire, pourrait mettre en concurrence les autres. On n'a pas. Donc. Euh, trouver une solution comme ça au bout de dix jours pour, pour daloglio c'est sûr c'est trop compliqué quoi pour l'instant et justement, tu ouvres du coup sur, sur le prochain débat, euh, sur les changements à faire pour préparer au mieux la phase retour de, de ce championnat. Euh, bon, car des changements, quand même, il y en a à faire, du coup, tu l'as dit, et, euh, au niveau du mercato. Euh, il y a des joueurs euh, dont il faut se débarrasser, des postes à combler à hein, beaucoup de choses. Euh, déjà, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le, le groupe pour le match de demain contre Bastia euh, est sorti ce soir-là, dans la soirée. Et au milieu, euh, l'Aubry n'est pas présent et c'est Thomas Monconduit qui, lui est, qui lui est préféré. Euh, ça change du coup par rapport à, à Batlet qui était plutôt habitué à faire l'inverse depuis le début de la saison. Euh, Hervé, je vais te laisser la parole. On, on sait que le poste de milieu est assez bouché du coup et qu'il fera un peu dégraisser quand même à ce niveau-là euh, cet hiver. Et tu penses que du coup ce, ce choix de, de Delgio ça peut donner un indice pour le mercato bah, Honnêtement, alors ça peut donner un indice. Il y a, il y a deux possibilités. Euh, Peut-être que mon conduit finalement il compte pas dessus mais qui veut lui donner un petit peu plus de temps de jeu pour que euh, certains recruteurs euh, se rappellent que mon conduit est un joueur de foot euh, professionnel. Il euh, y a aussi cette, euh, cette partie-là. Euh, peut-être également un petit peu d'anticipation par rapport à la Cannes, où euh, ben, on risque d'avoir euh, un ou deux joueurs qui s'en vont. Donc peut-être euh, euh, refaire en sorte que beaucoup de joueurs soient, soient concernés. Après, moi, honnêtement, cette équipe-là, elle commence vraiment à m'exaspérer, me, à, à me désespérer, et à part... 3 quatre joueurs j'ai envie de dire moi peu importe qui s'en va quoi je veux dire honnêtement euh, alors je sais que ça va peut-être pas plaire mais même un gars comme Bouchoiry moi je c'est très bien ce qu'il fait techniquement bien évidemment qu'il est au-dessus du lot Bouchoiry il y a aucun problème là-dessus il met du dynamisme il est il est vif euh, c'est un beau joueur agréable à voir jouer il n'y a pas de problème c'est fan de corps ses contrôles orientés, le fait de, de transpercer balle au pied, la conduite de balle, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, il fait ça quand il est à 30 mètres de nos buts. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça quand il est à 30 mètres des buts adverses. Et on l'a vu, ça a été criant samedi. Alors, peut-être pas j'ai fait un petit focus là-dessus, mais dès qu'il est euh, en position offensive, bouchoirie, il ne se passe plus rien. Il n'arrive pas à passer un joueur, il n'arrive pas à passer les lignes, euh, il ne fait pas les bons gestes, il n'a pas la vista qu'il a quand il joue… Euh, euh, trois crans derrière. Donc, genre, même un joueur comme ça, c'est OK, c'est super beau à voir, mais il est tout le temps euh, décisif, entre guillemets, dans notre moitié de terrain. Pas... Moi, j'en ai marre de, de le voir évoluer aussi bas sur le terrain. Et quand il a l'occasion euh, de le faire un petit peu plus haut, ben, c'est inoffensif complètement. Moi, honnêtement, à part l'Arseneur Batoubin Sika, Apia, parce que j'aime bien Apia, je trouve qu'il est sérieux et que sans être jamais exceptionnel, il n'est jamais non plus lamentable, contrairement à ce que certains peuvent, peuvent dire. Mais après, derrière, voilà, moi je, je pleure Wadji qui vit, qui vit un cauchemar depuis le, le mois d'août, le pauvre. Mais après, j'ai envie de dire, si on a des offres pour l'ensemble de l'équipe, à part l'arseneur Batou Binsika, franchement, qui se barre tous, quoi. Honnêtement, j'en regretterai pas un. J'en suis presque au point de, de désespoir des des caseries, bout de bous et compagnie, euh, quand on s'enfonçait euh, inexorablement en Ligue 1 il y a quelques mois. Et eh eh euh... <laughs> Antoine, toi, tu es d'accord euh, avec Hervé, tu penses qu'il y a à peu près tout à refaire finalement, en fait, euh, avec ce mercato hivernal Ou tout, du moins, euh, possiblement euh, changeable. Quoi. Ce, qui me... ce qui me frappe un petit peu dans cette équipe, c'est qu'il y a un manque de... Il y a un manque d'entrain, il n'y a, a, a rien qui se crée en fait. On, on a l'impression qu'il n'y a, a pas de, il y a pas de, de spirale positive, qu'il n'y a, de, 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 qu a rien qui se crée entre les joueurs, il n'y a rien qui se crée dans le groupe. Euh, on, il y a, on sent que match nul, défaite, victoire. Oui, oui, ça va, ça avance les matchs. Pendant, pendant 4-5 matchs, on a réussi à remonter, c'était cool, il y avait une bonne ambiance. Et là, il y a très peu de réactions, tout le monde baisse la tête, personne ne s'encourage. Il euh, y, y a une action qui m'a un petit peu marqué contre, contre Bordeaux C'est sur le, le super arrêt de l'Artenoir dans la surface de réparation euh, Un arrêt quasiment, quasiment miracle Il y a presque personne qui vient le voir Il y a Batou Bintiga qui vient vite fait lui taper dans la main Mais sinon le reste du groupe, tout le monde se replage juste Alors que c'est quand même des moments On est dans une spirale où on, est, on vient de perdre 5 matchs de suite euh, On a notre Gardien qui fait un arrêt miraculeux Qui nous permet de, rentrer dans, de rester dans le match Et ben voilà, on vient, on se félicite On essaye de, de créer un engouement, quelque chose il se passe rien et, euh, et du coup c'est ce qui me c'est ce qui m'attriste de plus en plus match après match c'est qu'en fait là encore une fois un match nul tout le monde rentre au vestiaire voilà on a fait son boulot euh, on va être payé c'est c'est comme ça que ça se passe mais il n'y a pas de il a pas d'ambition euh, on les sent pas concernés il n'y a pas d'âme quoi il y a pas d'âme dans cette l équipe il ouais. y, y, y a rien moi je veux bien les messages alors certains apparemment ont, ont chialé parce que battleless je suis désolé je te coupe Antoine, mais oui, c'est ça oui. me gonfle. Le, bah, apparemment, certains joueurs ont pleuré, les pauvres, parce que Batlet, a été viré. Mais moi, j'aurais été à leur place, j'aurais pleuré pour avoir fait un match aussi mauvais que ce qu'ils ont fait face à Guingamp. Et on focalise sur Guingamp, parce c'est le dernier, mais ça faisait... Un mois, un mois et demi, qui nous servait une bouillie de football. Ils prenaient euh, défaite sur défaite, et voilà, il n'y a aucune remise en question de la part des joueurs. Comme tu le lis, sont là tranquillou. Ils savent que ça va tomber à la fin du mois. Il n'y a pas de, il y a pas de révolte, il y a rien, il y a rien qui se passe dans cette équipe-là. c'est ça qui me, qui me, déçoit, qui m'attriste, qui, qui m'énerve en plus. Mais il se passe strictement à rien. Il se passe à rien. Ouais, c'est ce que c'est ce que Jesse Moulin soulevait dans l'émission de la semaine dernière. disponible en replay d'ailleurs. Euh, il disait vraiment quoi que, que à Saint-Étienne, bah le plus important en fait, c'est de mouiller le maillot, quoi, de se donner sur le terrain et que ça depuis quelques matchs. On, re on ressent plus ça et les joueurs sont sont, sont pas concernés, pas motivés. Je sais pas ce qui cloche, mais enfin, en tout cas, il y a du changement à faire du coup pour, pour l'année prochaine. Euh, Gabriel, je vais te donner la parole au chat. Euh, ça a dit quoi dans le chat con concernant les latitudes des joueurs et peut-être tes perspectives déjà pour, pour le mercato Alors, euh, oui, pour le mercato, déjà, il euh, y a Tala08 qui, qui demandait minimum deux joueurs par ligne si tu veux monter. Bon, C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais il euh, y a toujours le problème de la direction euh, pour, pour beaucoup, comme Jo42 qui. Euh... Qui, selon lui, euh, il ne se passera de toute façon rien du tout avec Loïc Perrin aux commandes. Euh, c'est encore des chèvres qui arriveront. Dauphinomaniac qui, euh, qui lui euh, souhaite le départ de Montconduit, Fomba, Chambaud et Lobry dès cet hiver. Euh, El Cato, qui, euh, qui justement parle des, des problèmes de recrutement. Euh, et selon lui, il faut vraiment des mecs avec, la avec de la personnalité, pas des fonctionnaires en peignoir claquettes. Donc c'est un peu ce que disait Jesse Moulin la semaine dernière. Euh, quand on signe à Saint-Etienne, il faut vraiment comprendre où on est. Euh, sinon, sur les individualités, ça parlait un petit peu de, de Matisse Amogou, que notamment Céline a envie de revoir. Après, il y en a quelques-uns qui, euh, qui veulent ne pas se précipiter avec Amogou. Euh, comme disait Joss Randall, euh, c'est quand même pas Zaire Emery. donc euh, attention à pas le griller trop vite. Et, euh, et ça parlait également de, de Bouchoirie, là, comme disait Hervé, euh, qui euh, offensivement n'apporte peut-être pas assez. Euh. Mmh, mmh. Et euh, El Bichot pour finir qui disait que le jour où on aura de vrais recruteurs dans le club à la place de Perrin et des scouts pour faire du vrai boulot, on avancera peut-être. C'est vrai que, que, que les derniers mercatos sont avérés peu concluants sur la durée. On espère mieux mieux se tirer parce qu'il y a un peu à faire, mais bon, c'est vrai qu'on peut émettre des doutes. Euh, et oui, du coup, on va en parler. Il y a quand même des postes à pourvoir, notamment euh, latéral et ailier, enfin surtout ailier offensivement, parce qu'on n'a pas, pas grand monde, on a trois numéro 9, mais, mais pas trop d'ailiers. Euh, il y a quelques postes aussi encore un peu bouchés, j'ai parlé du milieu de terrain, il y a aussi défense centrale, où par exemple Nadé joue peu, où il y a des jeunes plutôt intéressants qui poussent derrière. Euh, le mercato s'annonce quand même assez crucial dans la suite de la saison stéphanoise. On a vu que la piste euh, Irving Cardona a été relancée. Euh, il joue du côté d'Augsbourg euh, maintenant, lancé en Brestois. Euh, Antoine, je vais te laisser la parole. Pour toi, c'est quoi vraiment les, les priorités à, à cibler dans, dans ce mercato hivernal bah, le, le, La défense et l'attaque. Il, il nous faut un, un buteur qui puisse, euh, qui puisse venir euh, aider Sissoko. Allo allo, je t'entends plus. Monier, j'ai ah. l'impression que c'est son, euh, c'est son cousin qui est revenu depuis ses Attends, ses Antoine, est-ce que tu peux reprendre Il me semble que ça a coupé sur sur le live euh, ce que tu disais. J'ai un petit peu. Pas de souci. Ouais, ouais, bah il, faut, il, y a, il y a deux secteurs à renforcer en priorité c'est la, la défense et, et l'attaque. Le mieux terrain, comme tu l'as dit, on a, on a quand même un petit vivier, on a, on a du monde qui, qui est capable de faire, de faire du boulot. Ça peut un petit peu déjà faire tourner euh, devant. Il nous faut quelqu'un pour, pour venir aider Sissoko parce que Wadji, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Euh, c'est quand même assez inquiétant de voir les, les pépins physiques s'enchaîner semaine après semaine, à chaque fois avoir des, des nouvelles rechutes. Charbonnier il n'est jamais revenu à son niveau. On s'inquiétait quand il s'était fait des ligaments croisés, on se demandait s'il allait être capable devenir, eh ben, j'aimerais bien voir les statistiques de ballons perdus par match parce que c'est apocalyptique le niveau qu'il a euh, Gaëtan Charbonnier depuis son retour euh, donc voilà Irvine Cardona pourquoi pas ça fait un petit peu, euh, c'est un vieux serpent de mer j'ai l'impression de revoir le nom de Girassi quand on était en Ligue 1 qui revenait à peu près tous les 6 mois qu'on était dans le mal euh, j'ai un peu l'impression que c'est le long consort comme ça en disant bah, pourquoi pas si jamais il y a une opportunité on peut le faire, euh, ça serait bien de trouver un petit peu de, de monde sur les côtés devant Stéphane Diara, c'est pas sensationnel. Euh, il, a, il, a, il a du mal à s'adapter, il a été blessé, il n'a jamais été trop décisif. Euh, Mathieu Cafaro, c'est courant alternatif. Euh, Dylan Chambault, c'est pas vraiment un joueur de côté. Voilà, là déjà on a un gros manque aussi sur les côtés. Et derrière... Il nous faut quelqu'un euh, de meilleur que Petro Malheureusement, euh, Léo Petro C'est un des brillants faibles de cette équipe Défensivement, c'est besogneux Mais c'est tout Offensivement, il y a beaucoup, beaucoup de limites euh, Techniquement sur les centres Il y a très, très peu de bons centres Il y a très, très peu de bonnes montées euh, euh, Apia derrière ça, ça, ça tient très bien son, son poste Comme l'a dit Hervé tout à l'heure Mais c'est tout Derrière, c'est un, un petit peu le vide Et euh, pareil pour la Charnière-Brie En son Batumi de C'est le vide voilà, il, y a, il y a au moins 4-5 postes à, à, à pourvoir euh, que ce soit pour des remplaçants ou même pour des titulaires. Mais, euh, mais voilà, le, le budget est, est ce qu'il est à l'ASS. Les dirigeants ne veulent pas investir. Donc il va falloir encore aller chercher des joueurs à coût zéro. Ça va être un, un mercato assez, euh, assez ennuyant, je pense, parce qu'on va avoir à chaque fois des, des noms qui sortent, des profils qui, euh, qui sont évoqués. Mais euh, il ne faut pas s'attendre à des, à des grandes réussites, malheureusement. On va prendre encore, on va racler le fond de tiroir et on va prendre ce que les autres nous laissent gentiment avoir sous la forme d'un prêt. Ou alors vraiment des joueurs euh, sur, le, sur le départ pour euh, quelques, quelques, quelques euros. Ouais, ouais, c'est le risque. Tu as, as bien résumé la, la situation. C'est souvent les mêmes pistes qui sont réactivées d'un mercato à l'autre, alors qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire, beaucoup de doublures à échanger, comme tu as dit, mais surtout des, des joueurs euh, de, qui peuvent postuler un poste de titulaire, hein, surtout, euh, surtout devant. et... En, en ailier et en latéral. Euh, Hervé, tu es d'accord, toi, avec le constat, constat d'Antoine, il y a quand même beaucoup de travail et ça sent, euh, sent euh, peut-être la déception quand même euh, quand on voit la tâche euh, si grande qu'il y a à faire. Bah, C'est surtout que le. Ah, allô. À répéter, moi je me reviens juste sur un petit truc. Alors on nous dit tant qu'il n'y aura pas des vrais recruteurs, tant que les dirigeants, ceci, cela, moi je veux bien. Mais les joueurs, si ça sent tellement le pâté de venir à saint étienne euh, sous les ordres de Caillazo, euh, Romeyer, euh, Perrin, Soukas et compagnie, ben, les gars, il faut faire comme Antonetti il fait. Vous dites clairement, moi tant qu'il y a des guignols à la tête du club, les deux clowns, je ben, j'y remets pas un orteil quoi. Mais les gars qui arrivent à saint qui vont faire de la léchouille aux supporters en disant Oh là là, les supporters, ce stade, ce maillot, euh, la fierté, le blabla, le blabla. Moi, je dis pas qu'il faut qu'on gagne les matchs, tous les matchs 6-0 avec des, des enflammades et compagnie, mais au moins qu'ils montrent de l'envie. Donc, honnêtement, moi, je préfère prendre des, des espèces de tocards, mais qui au moins auront envie, qui arriveront à, à décrocher quelques bons résultats, plutôt que d'avoir des gars qui arrivent là en cas d'or en nous disant. Euh, « Ah oui, ben on va remettre le club à la place qu'il mérite, etc. » C'est pénible. Donc ouais, Mercato, ça va être un gros chantier. J'ai envie de dire qu'il y a envie de croire qu'il y a certains joueurs, si on mettait un petit peu de concurrence dans les pattes, je ne sais pas pourquoi, je me dis que peut-être ils seraient plus performants Cafaro en, en tout premier, par exemple, parce que lui, c'est vraiment catastrophique. Le mec se cache. Euh, donc, donc dans le manque le, d'envie, le manque d'intérêt pour le club et pour ce qu'il fait… Bah, lui, c'est la, la, la première cible que j'aurai. Donc oui, trouver des titulaires en puissance, on sait très bien que sur un mercato d'hiver, quand on est huitième en Ligue 2, à moins de casser le portefeuille comme on l'a fait l'année dernière, et d'avoir le cul bordé de nouilles quand même avec Nkunku, parce que Nkunku avant Senté, après Senté, ben, on voit qu'il ne se passe plus rien pour lui. Donc là aussi, on avait eu quand même un gros coup de bol avec ce joueur-là, à moins d'avoir voilà, un coup de réussite comme Nkunku, et puis arriver à... Apprendre peut-être un joueur ou deux confirmés, comme on l'avait fait avec Larsonneur et Charbonnier au mercato d'hiver l'année dernière, ça va être très très compliqué. Donc, il va falloir que les joueurs en place ben, relèvent la tête, hein, se bougent un petit peu, et puis démontrent au moins un petit peu d'envie, un petit peu d'orgueil, un petit peu d'amour propre. La qualité footballistique, malheureusement, on sait très bien que on n'a pas les cadors de la Ligue 2, on n'a pas les cadors du foot professionnel. Mais en tout cas, voilà, il va falloir réagir au moins. Euh, au moins avec les joueurs qu'on a, parce que c'est parce que ça qui... C'est là où le bas blesse, c'est dans l'envie, encore une fois. On peut bien avoir tous les joueurs qu'on veut, s'ils n'ont pas envie, ça ne fera rien de bon de toute façon. Oui, ouais non, mais c'est clair, et c'est souvent quand même euh, l'envie, euh, la motivation, mouiller le maillot qui reviennent, c'est vraiment hein, des, des, des points qui manquent, en fait, au joueur aux joueurs Stéphanois. Euh, Gabriel, je te, je te donne la parole rapidement pour, pour, pour le chat, ça indique en quoi encore sur le, sur le mercato, là Globalement, les auditeurs sont plutôt d'accord avec, avec ce qui se dit. Euh, c'est surtout offensivement euh, qu'il y a de gros soucis. Euh, toujours très, alors c'est Céline qui disait ça, toujours très faible devant. Sissoko, Charbonnier ou Cafaro depuis sept euh, matchs, c'est bah, très faible. Diarra n'a jamais rien montré depuis son arrivée. Les jeunes, à mon avis, pourraient faire le boulot sur les ailes. Donc, euh, on en revient à parler de Rivera, puisque Céline sur un message qu'elle mettait après. Elle rappelait que Rivera a sauvé la réserve ce week-end, c'est lui qui a marqué le but de la victoire contre Saint-Priest, et, euh, et que selon elle, il ferait beaucoup de bien euh, sur les côtés dans ce groupe, alors que pourtant, bah, il est toujours euh, mis euh, hors du groupe euh, les week-ends. Sinon, il y a aussi le problème euh, que relève Pascal, c'est est-ce qu'on aura l'argent pour euh, recruter, parce que euh, les caisses semblent un peu vides. Euh, Paul, Paul Marinet qui disait que, que dans cette Ligue 2, il faut recruter des joueurs... Euh, avec du physique parce que parce que il faut aller au charbon. que ça manque de concurrence. Il faut selon lui faire des contrats courts avec maximum deux ans et prioriser l'état d'esprit. Et il y a que 63 qui relevait, je trouve, un bon point. Selon lui, le serpent de mer, c'est la vente du club qui du coup empêche les joueurs de se projeter sur plusieurs saisons à santé. Euh, bah, qui, qui, euh, Alors, coup, pardon, je te coupe, mais qui commence à se ouais, projeter sur demi-temps. <laughs> Franchement, moi, ouais. ce truc-là, j'en peux plus. Quoi. Peux plus. Qui, qui... Mais les mecs, qui fassent au moins 90 minutes correctes et qui ressortent avec le short sale. Déjà, avant de. Après, je, je doute pas et que peut-être des joueurs sont dans cette espèce de, de confort intellectuel-là, de dire Ah oui, mais la vente, on en entend parler, on sait pas trop. Allez, c'est bon. Si ça ne te va pas, mais tu, 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 tu dégages. Mais au moins, quand tu es sur le terrain avec les crampons et le short fait le job quoi ça les dérange pas d'aller prendre le chèque à la fin du mois avec euh, les deux dirigeants qu'il y a donc ce truc là moi ça me ça m'agace pardon y a pas de souci arrêtez pour pour Tant intervenir tu as, ah, as ouais. chose à dire Gabriel ou... et euh, ouais dernier message là justement que qui vient d'arriver de la part de Maxime euh, qui euh, qui soulève une question est-ce que le fait que Daloglio ne prend que trois attaquants dans le groupe euh, est-ce que ça serait pas un message pour le futur mercato justement euh, Ou selon lui il aurait identifié des besoins en attaque, euh, comme ce qu'on disait. Oui, peut-être, peut-être, et ça, ça semblerait logique. Euh, J'aurais soulevé une dernière petite question avant de passer au, au prochain match, messieurs, euh, concernant la gestion des jeunes, normalement. Euh, Dalloglio, il avait, il avait déclaré lors de sa première conférence de presse que, que la formation était importante à saint étienne pour lui et qu'il allait y être vigilant. Euh, on a vu qu'il laissait Blady, du coup, dans le groupe euh, en Coupe de France, il y avait plusieurs jeunes euh, qui se sont montrés euh, intéressants, comme Amougou on en a parlé, Dié. Par exemple, il verra aussi qu'il y avait quelques apparitions en pro, sans jamais être trop convaincant. Mais est-ce qu'il a eu assez sa, sa chance C'est un autre débat. Euh, vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer euh, dans, dans cette deuxième partie de saison, ou, ou c'est peut-être tu tu dis tu en prêtais certains R R Hervé, je ne sais pas ce que tu en penses. Je commencer par toi. Je sais que c'est assez difficile à anticiper euh, avant, avant le mercato, mais tu penses que, comme Delokio, que la formation euh, stéphanoise euh, est importante euh, à surveiller quand même, ou, en tout cas plus que plus que sous Batless bah, dis donc, avec tout ce qu'on vient de dire sur le Mercato et le chantier énorme, on peut avoir des jeunes qui peut-être arrivent euh, euh, comme si c'était des recrues, c'est-à-dire des, des joueurs qui n'étaient pas dans le groupe pro en début de saison, même si certains ont fait pas mal d'apparitions au aux entraînements. Oui, pourquoi pas avoir un jeune par ligne qui, euh, bah, qui fait les entraînements toute la semaine, qui est convoqué chaque week-end, qui grappille un petit peu de temps de jeu. Ça sera une des solutions de toute façon… Euh, à, à faible coût si euh, si on veut euh, gérer ce, ce côté-là aussi. Et puis je pense qu'il y a des joueurs qui euh, qui quand même ont, ont un petit peu de qualité, on en avait vu quelques-uns notamment sur le match de Coupe de France. Alors c'était euh, face à une équipe de leur niveau, on va dire, mais ils avaient été quand même très performants, ils avaient dégagé pas mal de de sérénité. On parlait d'un manque de puissance, un manque d'impact au milieu. Moi, Jake fall à chaque fois que je l'ai vu, le peu de fois où je l'ai vu jouer, c'est un joueur qui qui paraît plutôt intéressant. Même chose pour Obosu, fait voilà, oui, il y a quelques jeunes qui peuvent peut-être se montrer. Et il faudrait peut-être essayer également sur le poste d'avant-centre, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en, en réserve et essayer de faire grimper. Moi, je pense qu'un joueur, un joueur du centre de formation par ligne, ça peut être une arme également pour, pour Dalloglio. Ouais, tu es, es d'accord, Antoine, avec ce que avec ce que dit Hervé là, où, où les jeunes ouais, pourraient postuler à une, une place dans le groupe pour, pour 2024, et Joss disait un truc intéressant dans le chat, je, je vais le dire, il y a aussi la, la canne qui va arriver, donc c'est peut-être une possibilité pour, pour suppléer certains, certains joueurs. Euh, fatalement, on va, on, va devoir, on va devoir y arriver, hein, ça parce que mine de rien, y a, on va pas recruter 8-9 joueurs sur le mercato, euh, on le sait, ça risque d'être 2-3-4 arrivés grand maximum, je pense, avec les finances telles qu'elles sont actuellement, ça va être compliqué de faire plus. Euh, de là, à reposer nos espoirs sur des jeunes du centre de formation qui n'ont quasiment jamais joué en professionnel pour pouvoir relever la tête et aller chercher euh, une place dans les barrages de la Ligue 2. Malheureusement, je ne suis pas emballé par ça. En euh, voir s'entraîner au quotidien avec le groupe. Euh, être présent justement dans les groupes pour les week-ends, pouvoir faire des entrées euh, sur certaines rencontres, pourquoi pas. Mais malheureusement, on, on j'arrive pas à imaginer, euh, à, à imaginer que le visage de la SS va changer sur la seconde partie de saison grâce aux jeunes joueurs du centre de formation qu'on n'a pas vu pour l'instant, euh, que très, très peu ont fait leur, dans une des apparitions. C'est Ce pas parce que Matisse Amougou a fait une finale de, de Coupe du Monde du 17 où il a été brillant, certes, euh, qui va venir nous changer le club sur la seconde partie de saison. Mine de rien, une, une, une Ligue 2, ça, ça, ça va se chercher, ou du moins des places de haut de tableau de Ligue 2, ça va se chercher avec genre des gens d'expérience, des gens qui ont l'habitude de ce championnat-là, qui est un championnat très difficile, qui est un championnat très homogène, où tous les matchs sont compliqués. Et, euh, on l'a vu depuis le début de la saison, il y a très très peu de matchs où on s'est retrouvé à gagner, à gagner sereinement. Et ça va être comme ça tout au long de la seconde partie de saison. Et euh, des fois, à 17-18 ans, c'est difficile d'avoir les épaules pour... Euh, pour gérer ces rencontres-là. Actuellement, les, les professionnels n'ont pas forcément ces épaules-là non plus. Hein. Je, il il ne faut pas se leurrer. Mais voilà, j'ai un peu de pessimisme en me disant qu'on on, on, on on, essaie de se dire que c'est peut-être les jeunes qui vont venir nous sauver la mise. Euh, je ne sais pas si les jeunes qu'on a actuellement ont le niveau qu'avaient, qu'ils pouvaient avoir Saliba ou Fofana qui étaient des ovnis à l'époque. Euh, ça, ça a été assez incroyable, assez incroyable alors, à, à, à l'époque. Mais là, j'ai un petit peu peur que ça ne puisse pas se rééditer tout de suite d'accord d'accord merci Antoine euh, bah avant de passer du coup au prochain match Gabriel je vais te laisser la parole pour clôturer cette petite euh, séance Mercato euh, quels sont les retours du, du chat du coup concernant les jeunes et, et la fin de ce Mercato Attends, je crois que ça bugué. Ouais. Qu on a bugué on pas entendu niveau, euh... ah c'est moi qui ai est bugué possible. pardon ah, c'est un voix Gabriel, du coup, si tu peux, si tu peux aller ouais. au chat voir ce que dit le chat. ouais euh, du coup, sur les, sur les jeunes, il y, euh, y a du coup El Bicho qui, euh, qui reprenait une phrase de Daloglio quand il est arrivé, qu'il avait dit euh, qu'il ne prendrait pas de jeunes dans le groupe si c'est pour ne pas les faire jouer. Euh, mais selon lui, euh, Amugou peut largement rentrer en fin de match euh, dans l'équipe euh, que l'on a actuellement. Il y avait Maxime, euh, du coup, par rapport au, au peut-être un joueur par ligne, un jeune joueur par ligne qui, euh, qui selon lui, trouvait que Owuzou. Pouvait venir concurrencer la défense centrale, Amogou et Fal au milieu et DJ en attaque du coup. Il euh, y a Kevin qu'on salue, qui, euh, euh, le renouveau de cette équipe passera par l'émergence de vrais leaders, donc euh, de potentiels cadres qui, qui ne sont pas au niveau en ce moment. Et, euh, et sinon ça, 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 ça commence à parler un petit peu des, des, pronostics, donc je pense va, des pronostics pour demain soir donc je pense que ça sera plutôt dans la prochaine rubrique Oui ouais on, on va y passer tout de suite merci Gabriel, merci le chat et oui on a bien parlé de la phase, phase retour et du Mercato mais avant ça c'est vrai qu'il reste quand même un match dès demain soir contre Bastia, on compte sur nos verts pour essayer de bien finir l'année du mieux possible contre une équipe qui, qui est quand même largement à leur portée euh, C'est tout de suite dans le prochain match. Active Sainté Night Club. Le prochain match. Les Verts vont-ils nous en mettre plein les yeux pour notre cadeau de Noël Honnêtement j'en doute au vu des derniers matchs, mais on ne sait jamais. Euh, car Bastia, c'est quand même un adversaire largement à la portée de nos chers Stéphanois, que, comme je l'ai dit. Ils sont 14e au classement, donc euh, 4 points derrière les Verts. Euh, les Bastia sortent d'un nul contre queville C'est une grosse victoire quand même. 5-0 face à, à Dunkerque avant-dernier. Bon, euh, c'est quand même sur le papier un match largement gagnable. En plus euh, à Geoffroy Guichard pour la DER euh, de 2023. C'est une affiche qui tombe à mon avis au bon moment quand même pour, pour avoir la possibilité de partir sereinement en vacances et pourquoi pas d'ouvrir une série de victoires. Euh, Antoine, j'ai vais te laisser commencer. T'es es confiant pour ce match toi Confiant, confiant, euh, oui, oui et non, j'ai du mal à être confiant sur, euh, depuis, depuis cette, cette série négative, surtout qu'on n'a pas été très rassurant face à, face, à, face à Bordeaux. Euh, J'espère que, que ce, ce point du match nul aura permis de, de souder un petit peu cette équipe, de ressouder cette équipe, qu'Olivier Dalloglio aurait réussi à faire, à faire passer un, un bon petit message. Euh, il, a, il va affronter contre Bordeaux, c'était déjà une équipe dans le dur, mais bon. On a joué devant un public qui avait 37 000 personnes, Bordeaux était vraiment poussé. On a montré aussi qu'on était capable quand même de faire quelque chose pendant une bonne trentaine de minutes de jeu. Euh, là Bastia c'est quand même compliqué, autant l'année dernière il m'avait assez impressionné lors du match retour qu'on avait perdu en Corse, où ils avaient fait une grosse prestation, autant cette année l'équipe elle a clairement elle a clairement régressé. Euh, de toute façon il faut l'emporter il faut parce que euh, voir les Bastia revenir à un point alors qu'ils étaient dans le dur en, en première partie de saison, ce serait quand même assez terrible pour, pour le mental des troupes de se faire rattraper comme ça. Et puis, et puis tout simplement, il ne faut, 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 faut pas laisser trop s'échapper le wagon de le devant. On a déjà été, on a déjà été assez distancé euh, On peut le voir, on a 25 points. Euh, devant la cinquième place, elle a 30 points. Ça fait 5 points d'écart. Ce n'est pas le moment de, de perdre des points. Il faut absolument l'emporter. Qu'importe la manière, j'ai envie de dire, on verra, on verra à la rentrée en 2024 pour la manière. Pour l'instant, il faut juste se focaliser sur une victoire, quitte à que ça soit un but euh, contré du dos euh, en fin de match. C'est tout ce qu'on demande euh, dans ce match-là. Personnellement, moi c'est tout ce que je demande. Je ne demande, demande pas du beau jeu, je demande juste de la solidité, euh, un petit peu d'envie parce qu'on a cruellement manqué ces dernières semaines. Et, euh, et déclencher une série de victoires. Enfin euh, ramener une victoire à un domicile. Oui, non, ça serait pas mal. Et tu as raison. Euh, il, il serait temps de gagner parce que c'est vrai que le, le, le wagon de tête se, se détache un peu. Il y a trois points entre Pau 5e et Gingan 6e. On est déjà à 12 points danger les premiers. Donc euh, cette victoire tomberait au bon moment. Euh, Hervé, t'en penses quoi, toi, de, 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 du prochain match des Verts Tu penses qu'ils qu peuvent s'imposer et qu'ils doivent surtout s'imposer contre, contre Bastia ils, ils doivent s'imposer. Ils, euh, ils doivent montrer beaucoup plus, encore une fois, dans l'état d'esprit. Euh... Après, voilà, ils l'ont bien montré. De toute façon, euh, moi, j'étais parti voir le match contre Guingamp, encore une fois, euh, plutôt euh, plutôt confiant, en me disant c'est bon, on a l'occasion de, de stopper. Comme ce soit, comme demain, on aura l'occasion de, de, euh, de renclencher une série de victoires. Mais voilà, on ne sait même plus quoi en penser. Euh, moi, j'espère qu'ils vont gagner, bien évidemment. Et, et je rejoins Antoine, peu importe la manière, pour le coup, on ne va pas euh, faire les fines bouches comme certains le faisaient quand on était à. Dans notre série très positive, où on disait c'est bien, on prend des points, mais c'est dégueulasse au niveau du jeu. Moi, à la limite, j'ai envie de dire que, que ça m'irait très bien qu'on refasse une série comme ça. Après, bien évidemment, qu'on va être exigeant au niveau du jeu. Mais pour l'instant, voilà, le, 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 le premier objectif, c'est de retrouver un, un vrai état d'esprit et qui dure pas 35 minutes. Retrouver les trois points, surtout qu'à la maison, ça aussi... Quoi, le, à la maison, ça fait combien de matchs qu'on n'a pas gagné, quoi. Fait, je veux dire, c'est certains avaient annoncé, il faut que Saint-Etienne soit une citadelle imprenable en Ligue 2, etc. Ouais, bon, on se fait, on se fait trouer le flux à, à chaque fois. Donc, euh, voilà, stopper cette hémorragie également à, à la maison, quoi. C'est vrai que c'est dédicat en début de saison à, à Geoffroy Guichard. On espère une victoire, donc, et je vais revenir, bon c'est je sais pas si on va pouvoir en dire, en dire grand chose de plus, mais au niveau de la composition, euh, bon étant donné le groupe qui reste quand même lar largement similaire à celui de Bordeaux, il n'y aura pas de grand, grand bouleversement, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut déjà s'attendre à des petits changements par rapport au match précédent Déjà il y, a, il y a Tardieu qui est qui retour de suspension. Donc, est-ce qu'il prendra la, la place de mon conduit euh, Comme je l'ai dit, il y, y a Lobry qui n'est pas dans le groupe cette fois. Euh, sinon, ça reste du classique. Mais est-ce que vous changerez quelque chose, vous, contre Bastia euh, Hervé, je vais, te les, je vais te laisser la main. Tu as un avis sur la composition bah, Tardieu, moi, effectivement. Je pense que je m'appuierai quand même je m sur lui parce qu'il a, pour le coup, des qualités footballistiques indéniables, lui aussi. Mais il va falloir qu'il montre euh, beaucoup plus de choses que ce qu'il a fait les dernières semaines. Euh, après bon, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déçu le coach est-ce qu'il va justement vouloir faire tourner peut-être lancer Diarra à la place de Cafaro euh, euh, Chambaud est-ce qu'il va débuter, est-ce qu'il va mettre Charbonnier à la place de Sissoko il y a quelques petits réajustements mais de toute façon encore une fois euh, euh, au vu du groupe convoqué il ne va pas y avoir je pense de, de très très grands bouleversements la ligne défensive sera la même Quid du milieu de terrain, et puis, et puis voilà, offensivement, euh, euh, à part Diarra qui pourrait postuler à une place de titulaire, je ne vois, euh, vois pas trop de, de, de gros changements, euh, la colonne vertébrale de l'équipe, voilà, elle a une, une grosse scoliose de toute façon depuis un moment, <laughs> donc euh, voilà, je ne vois pas trop les, les solutions qu'il va pouvoir amener euh, là tout de suite, si ce n'est Tardieu, oui, qui j'espère va rentrer dans le, le 11 titulaire. Quoi. Oui, retour de Tardieu, c'est vrai que tu as dit, Diarra, ça peut être une option sur le côté pour son retour. Peut-être qu'il sera un peu juste, on ne sait pas. Mais oui, hein, ça, les, les, les grands changements interviendront sans doute après le mercato. Antoine, tu es d'accord avec ce que dit Hervé Toi, peut-être le retour de, de Tardieu par, parmi le 11, mais sinon, rien de, rien de bien notable Oui, oui, parce que Tardieu, dans ce. L'équipe face à, face à Bordeaux s'était organisée en 4-1-4-1 avec, une, avec, 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 avec comme le. Comment il s'appelle mon conduit qui était juste devant la défense Tardieu il a les, euh, il a les qualités pour jouer de, dans ce rôle là Moi je l'avais trouvé intéressant dans, Justement dans la phase où on allait bien, où on allait bien Les matchs contre Laval, le match contre Rangé. Il avait été assez assez intéressant Dans ce, dans ce rôle là devant la défense Et, euh, et Diarra oui je préférais voir Diarra à Chambaud malheureusement On a besoin de, de joueurs percutants sur les côtés euh, Dylan Chambaud c'est certainement le joueur Le plus lent de l'effectif Techniquement il a, il a un petit peu de ballon Mais euh, au niveau de la vitesse il a, il a, il a rien du tout euh, voilà. Quitte à avoir un joueur un petit peu maladroit, je préférerais avoir Stéphane Dirac qui, qui essaie de déborder. On a la chance d'avoir un, un, un mec solide dans l'axe avec Sissoko. Avec euh, voilà. J'aimerais bien voir du mouvement sur les deux côtés. Un euh, retour de Stéphane Dirac dans le 11, sans, sans être pour autant très convaincu, hein, malheureusement. Mais euh, il faut faire avec ce, avec, avec ce qu'on a. Et je, je préférerais aussi voir Stéphane Dirac que Maxence Riviera, par exemple. D'accord, d'accord. Euh, Gabriel, au chat, euh, les auditeurs sont-ils confiants euh, pour le prochain match des Verts quels sont, les, quels sont les pronostics euh, Alors, il y avait ASSE 71-100 qui, lui, n'est pas très confiant puisque, comme le disait Hervé, il me semble, euh, comme on ne gagne pas chez nous, c'est pas rassurant. Même si ce n'est que Bastia qui vient à Santé, euh, on a quand même des difficultés. Il y a Jérôme B42 qui... Euh, qui rappelle une phrase de Régis Brouard en conférence de presse, qu'après qu'ils aient, qu aient été tenus en échec par QRM, Bastia viendra à la SSE pour finir son, son année en beauté. Donc je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à, à un match facile du tout. Et sinon on a quand même quelques optimistes avec Jeff 0142 qui voit une victoire 3-0. Début de Sissoko, Tardieu et Bouchoirie et qui pronostique un match référence. Donc on, on espère. Euh, Joss Randall qui voit un 2-0 net. Euh, tout comme Pascal qui vont à 2-0 aussi avec euh, Sissoko sur penalty et euh, un but de Chambaud avec entre parenthèses Gros Scott, donc euh, à voir demain et sinon sur la compo euh, donc on a Jeff0142 qui, qui pour lui c'est évident que Tardieu va reprendre sa place surtout au vu du match de Montconduit à Bordeaux et euh, c'est complété par ASSE71100 qui, euh, qui dit que de toute façon pour le reste on n'a personne d'autre à mettre euh, hormis bah, comme disait Antoine peut-être Diara à la place de Chambaud Bon, on verra on au verra, niveau de la compo. En tout cas, j'espère que, que l'optimiste des, des auditeurs portera chance à nos verres. Et on espère donc une belle rencontre et une belle victoire pour partir en vacances un peu plus sereinement. Donc. Euh, merci Gabriel, merci messieurs. Euh, mais l'émission n'est pas terminée. C'est maintenant l'heure du, du saint avec Club Challenge. Euh, je vous rappelle qu'à chaque fin, fin d'émission, on fait un petit quiz de quatre de questions à nos chroniqueurs euh, qui représentent chacun une association. Association, c'est mieux, c'est plus simple. Euh, à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio euh, ratio de points euh, remportera l'ensemble euh, de nos revenus euh, pour l'association. Je vais y arriver, qui l'aura choisi, bien sûr. Euh, Antoine, rapidement, tu peux tu peux nous rappeler pour euh, pour qui tu joues Bien sûr. Alors moi, je joue pour euh, SOS Méditerranée. C'est une association qui vient en aide aux euh, au naufrage euh, naufrages dans la Méditerranée, des comptes des tragédies, des naufrages dans la Méditerranée. Et toi, Hervé, de ton côté moi, je joue pour Prisme 21 Loire, association qui euh, prend en charge et aide à l'insertion des Trisomiques 21. Merci, merci, messieurs. Donc, euh, duel de opposé, euh, opposé ce, 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 ce soir, parce que Antoine est premier, alors qu'Hervé joue, joue le maintien euh, dans la Ligue du SNC. Euh, on commence donc sans plus tarder et on, on y va tranquillement avec un, un joueur deviné. Donc vous connaissez la ligne, messieurs. Dès que vous avez, euh, vous pensez avoir la, la bonne réponse, vous dites votre prénom et je vous donne la parole. Donc attention, ça peut aller assez vite. C'est parti. Je suis né en 1989 et je commence ma carrière de footballeur dans un certain club de la partie sud de la France. Je débarque à Saint-Étienne en 2013, initialement au poste de milieu de terrain, mais rapidement, le coach Galtier me repositionnera arrière latéral. Pendant les deux années où je reste dans le forêt, je marque les esprits par mes coups francs et mes frappes lointaines. Mais à l'été 2015, je m'envole pour... Ouais, Antoine. Antoine. Ouais. Tabanou. Ouais, Franck Tabanou. Bien joué, Antoine. Ouais, ouais. Je m'envole à Swansea où je ne m'imposerai jamais. Je fais mon retour à Sainté avec un prêt... Euh, peu convaincant en 2016, puis je découvre l'Espagne à Grenade, sans réussite non plus, je termine tranquillement, un peu tristement ma car, un guingant entre 2017 et 2019. Je suis Franck Tabanou. Ouais, J'ai pas dit que c'était qui venait de Toulouse, bah, je me suis dit, ça aurait peut-être pu vous mettre la, la puce à l'oreille. Mais ouais, c'est bien, bien Franck Tabanou. Donc un point pour Antoine pour commencer. On enchaîne avec une deuxième question euh, avec un plus proche. Un au plus proche, euh, messieurs. À votre avis, euh, l'an dernier, euh, donc un match plus tard, à mi-saison, puisqu'on n'a pas encore joué contre Bastia, mais après 19 matchs à mi-saison l'an dernier, combien la SSE avait de points Antoine, je vais te laisser commencer à faire ton pronostic. Alors, euh, l'année dernière, je dirais qu'on avait 14, euh, 13 points. 13 points. Et Hervé, euh, combien tu dis toi euh, 14. 14, bah, je crois que c'est qui gagne. Vous avez été pessimiste, messieurs, parce qu'on était à 18 points. 18 points. alors ah, Je voulais dire 19. Ah. Vraiment, je voulais dire 19. Et ça bah, aurait rien changé, tu aurais été juste plus proche. Mais ouais, on, est, on était à 18 points. 5 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Et, et pour l'anecdote, on est actuellement à 25 points. Donc, un Pas partout. Si tout, passion, passion, hein. Un partout, un partout. Euh, Je vais relancer avec une petite question, euh, plus de mémoire cette fois. Euh, la dernière fois qu'on qu avait changé de coach en cours de saison, euh, c'était Pascal Duprat, euh, le pompier de service qui avait remplacé euh, Claude Puel en décembre euh, 2021. Il démarre son aventure chez les Verts avec une victoire 1-0, tranquillement euh, en, en Coupe de France contre lyon la Duchère, je ne sais pas si vous en, si vous en souvenez. Ouais. Euh, messieurs, mais combien de joueurs présents dans le, le groupe pourriez-vous me, me citer euh, Attention alors, une, une erreur euh, et ses points à l'adversaire, c'est une vente aux enchères, donc c'est celui qui, qui dit le, le plus gros nombre qui, qui joue. Mais ouais, une erreur et ses points à l'adversaire. Donc, euh, petit indice, il y en a 20 au total dans le groupe, et c'est Hervé qui va commencer euh, à enchérir. Euh, 18, non je rigole. Euh... <rire> <rire> 3. 3, Antoine, est-ce que tu dis 3. mieux? Oui, je dis, euh, je dis est 8. 8 pour Antoine. Hervé, est-ce que tu en chéris euh, Je dis 9. Ah il est joueur, il est joueur. Antoine, est-ce que tu réponds? Euh, je dis 11. 11 pour Antoine. Hervé. <laughs> Ouais, mais à chaque fois, moi je me fais enflammer, donc non, j'arrête. T'arrêtes Donc c'est Antoine qui doit <laughs> ouais. citer 11 joueurs. Attention, attention, c'est parti, je t'écoute. Je me lance. Kazri. Euh, ouais, ça en fait un. Euh, Nordin. Nordin, Nordin, Nordin. Ouais, deux. Euh, Colo. Colo, trois. Mouefek. Mouefek, quatre. Euh, il doit y avoir Krasso. Krasso 5 euh, Aoshish Aoshish 6 Ouais La moitié ah, a été euh, faite on, on devait avoir Gourna au milieu de terrain encore Ouais on a Gourna Ça fait 7 On ouais, est pas mal Gourna Gourna de euh, Zaidou Il était là Zaidou Ouais Zaidou Youssouf 8 Plus que 3 Au euh, milieu de terrain euh, Ouais, Camara 9 camara, en défense, en défense, en défense. Euh, so Je l'ai dit, saut so, ou pas? Non, tu l'as pas dit. So, il était là? Saïdou, saut, so, ouais, 10, plus qu'un. Euh, qui c'est qui est au est en défense, en défense. Qui c'est qu'on avait à l'époque? Oh, est-ce que Miguel Trauco était là? Miguel Trauco 11 bravo Antoine. Le compte est bon. C'est pas, c'est pas tous les jours honnêtement que, que les gens réussissent dans cette discipline, donc c'est assez euh, assez notable pour être pour être félicité. Je vais vous citer les restants. Il y avait pas Green, il y avait Bajic, Chogol et Falen remplaçant en défense. Il y avait encore Gabriel Silva, Nadé, Ivan Masson. Oui. Euh, il y avait Ramirez devant euh, et encore en remplaçant. Il y avait Hassan Dioussé, Yeri et oui, oui. LLJ, il y a déjà. Donc, point pour ouais, Antoine. En ouais, 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 on avait... ben, il y en avait 20 en tout. 11 sur 20. Non, non franchement, bien joué. Euh, Deux 1 pour Antoine. Euh, L'occasion pour Hervé de déguiser peut-être avec la dernière question. Euh, avant notre prochain match contre Bastia. Euh, cette fois, ça va être au plus rapide. Donc, dès que vous avez la réponse, vous me dites votre prénom euh, et euh, je vous donne la parole pour vous proposer la, ré la réponse. Et euh, si vous ne réussissez pas, c'est au tour de l'autre de faire sa proposition. Euh... Alors c'est parti. L'an dernier au match aller contre Bastia, on avait gagné 5-0. Crasso avait inscrit à quadruplé, mais qui avait inscrit l'autre but Thambo. Euh... Non, à toi Antoine. Ah putain, putain je l'ai. Ah, euh... oh, je l'ai. <laughs> ah bah faut qu'Antoine se trompe. Euh... Cafaro. Non. Masson. Eh oui, c'est Masson. C'est Ivan Masson qui avait marqué le. Le, lundi, je crois qu'il avait marqué oh, en premier ouais. d'ailleurs. Et c'est Crasso qui a mis 4 buts après. Mais ouais, 4 buts de Crasso et un, un, but de, un but de maçon C'était fin août. C'était bien parfait pour lancer, euh, lancer la saison. On savait pas que les, les mois d'après allaient être autant galère. Et on avait perdu 2-0. Tu l'avais rappelé, Antoine, au match retour à Bastia euh, l'année dernière. Ben merci, messieurs, pour, pour, pour cette émission. Deux partout. Donc, score de parité. Euh, Hervé qui, qui met une distance à Patrick au classement des, des, du SNC Challenge. Tu t'es un peu plus serein et, et Antoine qui, oui, qui met un, deux points ouais. mais qui est toujours en tête toujours en tête hein. Comme l'a dit, euh, ouais. dit le très brillant Keket euh, dans le dans le chat je visais les trois points mais il s'habitue aux trois points de suture en fait. Le... <laughs> dans le... Dans le... Ouais, c'est pas mal. Il, Il dit qu'il qu accroche le leader. C'est une belle prestation contre le contre le leader ouais, Antoine. Ouais, 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 c'est ouais, ouais. honnête. En tout cas, merci messieurs pour pour cette émission. Merci Gabriel, merci le merci le chat. Euh, merci ouais merci à vous auditeurs d'avoir été présents et réactifs dans le chat. J'espère que vous aurez pris du, du plaisir euh, au moins à nous écouter. Euh, passez une bonne soirée euh, et profitez bien du match de demain. On espère encore une fois une victoire et du coup euh, à l'année prochaine parce que c'était la dernière euh, dernière de l'année la, de euh, vraisemblablement et on se retrouve début 2024 pour débriefer. Euh, débriefer encore des matchs euh, des matchs des Verts et la phase retour ciao ciao passez une bonne soirée et merci d'avoir été présent salut les gars allez les Verts et bonne fête à tout le monde bonne soirée à tout le monde